L'Autriche. Ce pays a tant de choses pour lui. Le Strudel Open, Mozart, Niki Lauda. Oh, et l'un des plus beaux circuits au monde. La saison bat son plein et la lutte pour gagner le championnat est toujours plus féroce. Mais s'il y a bien une course où tout peut arriver, c'est celle-ci. Voici le Red Bull Ring. À 700 mètres d'altitude, ce circuit difficile a beau n'avoir que 9 virages, ceux-ci sont rapides et inégaux. Un défi pour tous les pilotes. Nous avons deux zones de DRS. Attention au dépassement dans le virage 2, car l'entrée en montée aide les freineurs tardifs à prendre l'intérieur. Nicolas Martin m'a rejoint pour commenter la course d'aujourd'hui ici, sur ce qui est un circuit assez inhabituel, n'est-ce pas Nicolas Martin? Oui, c'est un tracé relativement étrange. Il a la particularité d'être plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît à première vue. Pour ne rien arranger, sa surface offre peu d'adhérence, la plus petite erreur peut être fatale. Il est très facile de finir dans la zone de dégagement et de perdre un temps précieux. Heureusement, le circuit est court, on a donc l'occasion d'améliorer son temps autour. Si on continue à ce niveau de performance, tu vas bientôt être promu pilote numéro 1. Il nous faut un bon résultat aujourd'hui. Allez, salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur le circuit du Red Bull Ring en Autriche pour ce Grand Prix qui s'annonce des plus palpitants puisque on a fait des bonnes séances d'essai, on a fait une séance de qualification qui nous fait partir à la 12e place à cause de la pénalité que l'on a reçue pendant les qualifications, hein, bien sûr, vous en rappelez. Donc on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Sachant que ils annoncent une météo qui va tendre vers la pluie pendant la course, ce qui n'était pas prévu au programme au départ. Et donc il va falloir tout simplement faire en sorte de mieux gérer son début de course, puisque visiblement on part sur vraiment du sec et du beau temps même. Puis la météo va se gâter et on va avoir de la pluie pendant la course. Donc stratégie qui va être décisive en début de course. Donc on va partir avec les ultra soft. Et puis on chaussera au sixième tour des pneus super soft. Et donc la stratégie voudrait que on passe au tour 14 des pneus soft. Mais on verra, on avisera en fonction de l'avancée de la météo pendant la course. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il va falloir être très incisif en début de course pendant que la piste est sèche pour pouvoir gagner des places. Et donc essayer de finir avec des gros points à la fin de la course, car comme vous l'avez entendu, on a la possibilité à la fin de cette course de peut-être être promu pilote numéro 1 de l'écurie, donc il va falloir qu'on mette le paquet. Et donc cette course aussi qui se fera sans Cyril effectivement, puisque comme pour les qualifications, j'avais tourné la course le même soir que les qualifs, et donc Cyril était sur d'autres projets, et donc je voulais pas le déranger pour cela. Donc cette fois-ci, ça sera une course sans notre ami Cyril, mais les stratégies avaient été discutées un petit peu avant la course. Donc le tour de formation qui va avoir lieu. Aucun souci technique à signaler lors du test de démarrage. Surveille ton régime moteur par la suite. Il ne faudrait pas rester en rade. On voit les stratégies un petit peu optées par les uns et les autres. Alors dommage hein, d'ailleurs, hein, comme on peut le constater, c'est qu'on part avec les ultra soft. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien partir avec les soft ou les super soft, vu qu'on est au-delà de la 10ème place. Mais non, alors je sais pas si effectivement dans la vraie vie, je me rappelle plus si la règle dit que si aux qualifications on est dans les 10 premiers, on est soumis à cette règle de ne pas pouvoir changer de pneu pour le départ. Toujours est-il que du coup on se retrouve avec ces pneus-là pour le début de la course. Alors que si... on s'en tenait à ce qu'on le sait, au-delà de la 10ème place, on peut choisir sa gomme pour le départ. Et ben là, non, on part avec les pneus de Q2, les pneus ultra soft usés. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant de partir avec des soft ou des super soft pour faire un plus long run sur le premier relais. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que les ultra soft pourront nous permettre d'être plus incisifs par rapport à nos coéquipiers, enfin à nos collègues sur la piste. Parce qu'on voit devant un Button qui part en soft, derrière Perez en super soft. Déjà on aura l'avantage sur les premiers tours sur ces pilotes là en tout cas, parce qu'on aura un meilleur grip, meilleure adhérence, donc on pourra accélérer bien plus tôt. Voilà le tour de formation qui en termine, un tour qui est très court hein, donc pour moi c'est un circuit qui est super agréable à piloter et sur lequel j'espère faire un bon résultat. Alors on va se placer sur la grille de départ, les voitures vont finir de se mettre en piste.
Allez, c'est parti, le départ est donné, les feux s'allument. Ils s'éteignent et c'est parti. Donc on arrive à bien s'élancer sur la grille, ce qui est normal par rapport à nos concurrents. Et ici on revient sur Kiat aussi qui est parti en soft. Et devant, ça freine fort, ça freine très fort. On se fait même surprendre et on finit en tapant dans la voiture de Vettel. Pas de dégâts pour nous. Par contre, on a vu qu'il y avait les deux Mercedes qui s'étaient fait coincer. Et safety car dès le départ. Alors on s'est complètement foiré au premier freinage. On est allé percuter la voiture de Vettel. Et du coup on est allé gagner un paquet de places au final puisque tout le monde s'est retrouvé coincé. Visiblement une des Mercedes a été aussi pris dans un incident. On va regarder ce qui s'est passé. Donc les deux Red Bull qui à domicile partaient en tête derrière les deux Mercedes. On voit Nico Rosberg qui avait pris un très très bon départ, qui était revenu à la hauteur d'une des deux Red Bull, de celle de Verstappen, et qui se fait coincer au premier virage, qui part en tête à queue. Et donc Hamilton qui freine et qui se fait emboutir par Sébastien Vettel. Et donc nous qui arrivons à l'intérieur et qui avons complètement loupé notre freinage en glissant et qui finissons dans le ponton de Vettel. Fort heureusement pour nous, dans l'histoire, on n'a pas abîmé la voiture. Et du coup, début de course avec le safety car. On revoit le départ de la part de la caméra de Rosberg. On voit qu'il est très bien parti. Il prend l'intérieur ici sur ce virage et il se fait coincer par Verstappen. Et puis ensuite, il se fait taper par Hamilton. Donc Hamilton qui a du coup abîmé son aileron avant. Pas de dégâts non plus hein, sur la Mercedes de Rosberg. On revoit la même scène du côté de Hamilton. On voit un départ loupé hein, de la part du Britannique. Et Rosberg qui part en tête à queue sous ses yeux. Et Hamilton qui perd un petit bout d'aileron à l'avant. Et qui du coup se fait coincer, se fait rentrer dedans par Vettel. Et nous on passe. Il n'y avait pas encore le drapeau jaune à ce moment-là. Donc du coup on avait gagné beaucoup de place dans l'histoire. On s'est retrouvé donc à la 4ème place. Avec ce safety car qui va rentrer dans pas longtemps. Donc on fait chauffer les gommes. Espérons qu'on ne fasse pas trop de tours derrière le safety car. Donc on est début du tour 2. Hein. Et on se retrouve un petit peu plus tard, à la fin du tour 3 ou 4, je ne sais plus exactement, et c'est pour la relance, et là c'est reparti. Donc Ricciardo qui fait la relance, on est tout de suite menacé par Rosberg derrière, qui se montre menaçant dans les rétroviseurs. Il y a déjà un trou qui s'est créé entre les deux Red Bull et Raikkonen, et nous. Raikkonen qui est à l'affût, hein. Et les Red Bull qui ont toujours une texture qui est buggée, je vais m'occuper de remettre... les choses dans l'ordre pour la prochaine course, ne vous inquiétez pas. Et Raikkonen ici qui attaque Verstappen, qui est en haut au premier virage, au freinage, il va arriver à passer le pilote Red Bull. Et derrière aussi, entre Hamilton et Rosberg, ça chauffe. Hamilton qui a essayé de faire l'intérieur sur Rosberg, les deux pilotes Mercedes qui sont au coude à coude. Raikkonen devant qui pose une attaque encore une fois de plus sur Verstappen et qui est en train d'essayer de passer le pilote néerlandais. Et attention, on est à 3 de front ici dans ce virage, je prends l'intérieur. J'arrive à surprendre les deux pilotes, le pilote Verstappen est passé, Raikkonen aussi, et du coup on arrive à prendre la deuxième place au prix de cette petite lutte, cette petite manœuvre à 3 de front dans le virage ici, et on va revenir tranquillement sur Ricciardo, qui a profité un petit peu de tout ce chahut pour aller prendre quelques dixièmes d'avance. Donc bilan des opérations, on part 12e, au bout du quelques tours on se retrouve 2e. Un safety car, la grille qui est complètement renversée. On a vraiment eu du bol sur ce coup-là. Énormément de chance, pas de pénalité. Et là on revient, attention à la réaccélération, on est mieux que Ricciardo. Pardon. On va le dépasser ici dans la montée avant l'épingle, mais on a même mis une belle déculottée d'ailleurs. Et là ici on arrive à la réaccélération, on a complètement déposé le pilote australien, mais derrière il a l'air d'avoir une difficulté parce qu'il est tout de suite menacé par Raikkonen. Alors est-ce qu'il se serait loupé, est-ce qu'il a un souci avec sa monoplace? En tout cas ce qui est sûr c'est que Raikkonen en est venu à bout du pilote Red Bull et on retrouve donc notre Finlandais et sa Ferrari à la deuxième place. Et pour la première fois dans cette saison, on mène un Grand Prix. Alors pour ceux qui commenceraient à dire que la difficulté n'est pas assez élevée, on est bien dans l'expert. Oula, attention, le gros survirage ici, hein, la voiture qui est partie en glisse.
Donc bilan des courses, au bout de quelques tours, on se retrouve en tête du Grand Prix, donc tour 7, hein, en tête du Grand Prix, suivi par Raikkonen et Verstappen, Ricciardo qui a dégringolé dans le classement, hein, qui a vraiment l'air d'avoir eu des soucis avec sa monoplace, et donc fin du tour 7, on rentre au stand pour aller changer les pneus et d'aller mettre les pneus super soft. Vous avez vu par rapport à la stratégie qui était prévue au départ, on a gagné un tour avec le safety car. Là ça devenait vraiment trop compliqué de rester en piste plus longtemps avec les ultra soft, donc on décide de rentrer au stand à la fin du 7ème tour pour aller chausser les super soft, et on a été imité par donc la Red Bull de Ricciardo et la Ferrari de Raikkonen. D'ailleurs on arrive à ressortir devant le pilote finlandais, ça c'est une chance pour une fois que l'ordinateur ne nous retient pas dans les stands. Et on ressort de notre arrêt juste derrière Rosberg. Rosberg qui lui aussi a effectué son arrêt, qui est allé chausser des super softs. Parce qu'il avait l'air d'être aussi en difficulté avec ses pneus. Et là on arrive tout de suite à la hauteur du pilote allemand qui résiste à l'épingle. Et là on est coude à coude dans la première zone de DRS. Mais c'est nous qui avons le DRS. Et du coup avec le DRS justement, on va pouvoir venir à bout de la Mercedes. Et d'aller chercher le petit groupe de voitures qui se trouve devant. Composé des deux pilotes Sauber de notre ancien rival au niveau des défis qui est donc Daniil Kvyat sur sa Toro Rosso, puis on a la Force India de Nico Hülkenberg. Alors on voit ce petit train qui s'est formé. Et on revient fort hein, sur ce groupe qui est avec des pneus soft qui commencent à être un petit peu usés, qui ont un petit peu du mal à prendre du grip là, sur ce tracé. Alors on a accès au DRS et on va venir à bout du pilote Sauber au freinage ici. On a même une attaque sur le deuxième pilote. On a failli s'embarquer avec lui, mais ça a été géré. On a bloqué les roues, mais le pilote s'est écarté. C'est un petit peu osé cette manœuvre. Et regardez derrière. C'est Rosberg qui se fait coincer par les deux pilotes Sauber et Raikkonen qui en profite pour recoller à Rosberg pour tenter peut-être de le passer. Et nous, ça nous est très bénéfique tout ça, puisque du coup, ça nous permet de prendre un peu d'avance sur le pilote allemand et le pilote Ferrari. Et on vient à bout de Daniil Kvyat sur sa Toro Rosso. À la réaccélération, on a une meilleure accélération avec les super soft. Donc très logiquement, on en vient à bout de la Toro Rosso. Maintenant, on va s'occuper du cas Hülkenberg. Alors, on a creusé même un bon trou, hein, les pilotes derrière qui n'osent pas doubler, je sais pas pour quelle raison. Ce qui est sûr, c'est que Rosberg et Raikkonen perdent du temps hein, derrière les pilotes Sauber. Et là on a accès au DRS et on va poser notre dépassement sur Hülkenberg. Et encore une fois au freinage, un petit freinage appuyé, on bloque les roues. Mais on vient à bout de la Force India et du coup c'est Kvyat hein, qui a profité du fait que Hülkenberg ait été un petit peu gêné pour pouvoir doubler le pilote allemand. Et devant on retrouve à la 9e et 8e place les deux Renault. Donc celle de Palmer à la 9e place. Donc on est dans le tour 10, hein, on voit l'usure des pneus qui va relativement vite. Parce qu'ils ont que 3 tours, les pneus ils sont déjà usés à quasiment 20%. Et on a l'avantage des gommes ici. Sur les pilotes qui sont devant, Hülkenberg derrière qui a repris l'avantage sur Kvyat. Pareil, avantage des gommes. Et du coup, on revient sur le petit train qui est devant, hein, formé par les deux Renault. Les deux Renault, et regardez qui c'est qui est devant les deux Renault. On a une Manor à la 7ème place, ce qui est très inattendu. Je vous ai dit, hein, cette course qui a attaqué de façon complètement imprévue, et du coup,
On a Wehrlein qui se retrouve à la 7ème place. Attention ici à la réaccélération comme sur Kia tout à l'heure. On prend l'avantage sur le pilote Renault. On est derrière l'aspiration de Magnussen. Et d'ailleurs, on est tellement dans l'aspiration qu'on loupe notre freinage. Du coup, Palmer qui récupère le gain de la 9ème place. Donc on va sagement attendre la zone de DRS pour aller doubler le pilote Renault. Alors encore une fois, hein, désolé pour les qualifications avec le son qui est complètement décalé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, effectivement, il y a eu un couac. Et du coup, bon, j'avais pas la possibilité de remonter la vidéo, donc voilà, je l'ai laissé à tel quel. Alors qu'ici, dans la zone de DRS, on passe le pilote Renault et on va se porter à la hauteur de Magnussen aussi. Et voilà, on passe les deux pilotes Renault sans trop de difficultés pendant que notre coéquipier est dans les stands pour changer de train de pneus. Grosjean qui a l'air d'être dans les choux complets, je sais pas à quelle place il est, mais il a l'air d'être loin. Alors c'est un petit peu loupé au freinage, hein. Ça a failli profiter à Magnussen. Magnussen d'ailleurs qui va être sous la menace de Palmer au DRS. Et nous maintenant on va essayer de revenir sur le pilote Manor devant. On profite, pour l'instant on est quasiment à la mi-course. Encore 6 tours et on en sera à la mi-course. Et cette météo qui est toujours clémente pour l'instant, donc on a du bol, mais on voit le ciel qui est en train de se charger petit à petit. Plus tard la pluie viendra, mieux ce sera en tout cas, ce qui est sûr. Donc une fois de plus on voit la différence entre les gommes soft et les gommes super soft. Pendant ce temps là je prépare mon prochain arrêt, je demande au stand de me préparer un train de super soft puisqu'on va continuer à jouer agressif pour pouvoir gagner des places jusqu'au moment où la pluie va faire son entrée en scène. On va essayer de faire l'intérieur sur le pilote allemand. Et on passe sur la Manor. Voilà, une belle manœuvre. Attention de ne pas s'accrocher à la sortie du virage. On reste au milieu de la piste pour éviter de fermer la porte sur le pilote Manor. Mais donc ça s'est bien passé. On se retrouve à la 7ème place. Et du coup, c'est Arianto hein, qui est devant, à la 6ème place, tranquillement. L'autre Manor aussi, qui est sur une stratégie complètement décalée avec des pneus soft. Pareil. Et on se retrouve au tour 13 maintenant, avec donc Arianto qui est rentré au... Non, il y a eu des pilotes qui sont rentrés au stand, du coup le classement a été un petit peu perturbé, donc on a Arianto maintenant à la 4ème place, donc avec des pneus soft également. Donc les pilotes qui étaient devant nous, qui se sont arrêtés au stand, on a vu des voitures dans les stands. Et devant nous, on a un petit groupe avec donc Arianto à la 4ème place. Et on a un drapeau jaune et un moteur qui fume. Alors que s'est-il passé? Qui est-ce qui a abandonné? C'est Carlos Sainz. Qu'est-ce qui s'est passé avec le pilote espagnol? On va regarder ça tout de suite. Donc on avait ce petit groupe hein, avec Arianto, Sainz et je crois que c'est Button. Et donc Sainz qui a un moteur cassé. Et c'est l'abandon pour le pilote espagnol. Un grand dégagement ici, où la voiture ne gêne pas et du coup pas besoin de safety car ou de virtual safety car. Et on se retrouve donc à la 4ème place derrière, donc maintenant Arianto, qui est lui-même à la poursuite de Alonso. Donc c'était pas Button, c'était Alonso qui était devant lui. On est dans le tour 15 et la météo qui est de plus en plus menaçante. On a l'impression qu'il commence à pleuvoir sur ce secteur-là. Est-ce qu'on va au moins arriver à la mi-course avant qu'il commence à pleuvoir? Je ne sais pas. Ça serait bien en tout cas. Alors qu'on nous annonce que Felipe Massa est hors course.
qu'est-ce qui s'est passé avec le pilote brésilien. Et le Virtual Safety Car a été sorti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le pilote brésilien qui était juste devant Sébastien Vettel? Et bah, moteur cassé également. Il était compris, il était entre le Vettel et Hülkenberg, et du coup, et bah, le moteur de la Williams a rendu l'âme, alors que les commissaires ont une voiture qui fume devant leur nez, mais ils en ont absolument rien à cirer. Et donc, Virtual Safety Car, et on va profiter de ce Virtual Safety Car quand on voit l'usure des pneus pour rentrer au stand et aller rechausser un train de Super Soft, puisque la pluie n'arrive toujours pas et on commence à avoir les pneus qui sont bien usés. Donc, profitons de ce VSC pour rentrer au stand et essayer de ne pas perdre trop de temps avec le groupe de pilotes qui est devant. Alors qu'on nous annonce que le safety car virtuel se retire, alors qu'on est en train de chausser les nouveaux pneus soft, super soft, pardon. Et du coup, ça nous fait ressortir à la 10e place derrière Lewis Hamilton. On a Magnussen et Kiat aussi qui repasse. Et Perez. Derrière, c'est Ricciardo qui a complètement dégringolé, qui est à la 14e place maintenant. Alors là, au freinage, on va pouvoir porter une attaque sur Perez. Attention quand même, pas se louper. Perez qui est en soft, hein, on a une meilleure accélération, on a accès au DRS. Kiat aussi d'ailleurs devant. Et là on va faire le freinage sur le pilote russe. Ça passe. Et on se retrouve de nouveau derrière Magnussen. Et on va lui faire l'intérieur tout à l'heure comme on a fait sur Wehrlein. Et c'est passé. Et donc on est derrière Lewis Hamilton à la 9ème place. Et on se retrouve dans le tour 23 maintenant et la pluie qui commence à tomber. Et d'ailleurs on avait bien vu hein, que c'était dans ce secteur là que la pluie allait arriver, puisque c'est ici que c'est le plus mouillé. Je me suis fait surprendre au freinage d'ailleurs. Vettel qui arrivait aussi à ce moment là a eu chaud parce qu'on a failli se toucher. Donc pour l'instant je suis toujours 4ème. Derrière Alonso et Perez, en tête on a Raikkonen qui fait son petit cavalier seul. Et ça commence à glisser un peu de partout, alors que devant on a encore un moteur qui fume. Fernando Alonso qui casse le moteur. Décidément, trois voitures qui abandonnent sur casse moteur sur cette course, ça commence à faire beaucoup. Pas de safety car, pas de VSC non plus. Et du coup, je regarde un petit peu ce qui se passe devant et je vois que Raikkonen est rentré au stand et du coup, j'en profite pour faire la même. Je me calque sur la stratégie du leader. Et du coup, apparemment, je suis pas le seul puisque derrière, tout le monde rentre. Alors que Raikkonen quitte les stands. On a Perez devant qui rentre aussi pour changer de pneu. Et derrière, on a tout le monde hein, qui rentre aussi. Vettel, Ricciardo, Wehrlein. Alors nous, en plus, on est loin, on est à l'autre bout du stand. Voilà, les pneus intermédiaires sont chaussés. Et oh, regardez un petit peu, ils nous retiennent dans les stands. Tout le monde est en train de passer, c'est dramatique. On perd énormément de temps là, sur cet arrêt au stand, puisque on a été retenu dans le stand pour laisser passer les voitures. Et du coup, on était devant tout ce groupe et on se retrouve derrière. Vettel aussi a perdu gros, hein, puisque il était devant les pilotes comme la Manor et la Renault. Et il se retrouve derrière. C'est encore, hein, c'est dommage que même s'il y a des risques avec le unsafe release, qu'on n'ait pas de temps en temps des tentatives comme ça de relâchage intempestif, alors qu'ici on porte une attaque. C'est le pilote Renault hein, qui a encore un pneu sec, hein, qui patine complètement et qui coince Vettel, et on en profite nous pour passer la réaccélération. Et attention, ça a été chaud encore avec le pilote Renault hein, qui a fait encore un gros coup de volant, et là on se loupe au freinage. On se fait surprendre hein, avec ces pneus intermédiaires et cette piste qui est en train de s'humidifier. Ça glisse pas mal pour l'instant. Les pneus, va falloir qu'ils se mettent vite en température. Et on est 8ème maintenant derrière Nico Rosberg. Ça y est, la pluie qui fait son entrée. Et nous, on n'est pas encore. Enfin, on est dans le dernier tiers de la course. Il reste 12 tours.
Et on est dans le tour 34 maintenant, il ne nous reste plus que 2 tours et on est à la 5ème place derrière Pérez toujours, hein, qui devant a été rentré au bon moment finalement puisqu'il a réussi à prendre beaucoup de place dans l'histoire. Pérez qui est loin devant, hein, avec toujours Raikkonen qui est en leader, il est à 20 secondes, 24 secondes devant nous. Impossible de revenir sur les pilotes devant, et si je me loupe, je monte un petit peu trop sur le V-board, du coup je perds de la vitesse et Vettel en profite pour passer et prendre le gain de la 5ème place. On se retrouve 6ème. Derrière nous, il y a Bottas. Ce Grand Prix est fou, je vous l'ai dit. La pluie, là, maintenant, qui est devenue une pluie forte, on est tous restés en intermédiaire, malgré tout. Puisque les intermédiaires, comme vous le savez, ont tendance à mieux fonctionner que les pneus pluie. Et là, on va rentrer dans l'avant-dernier tour, maintenant. La 6ème place, si seulement on pouvait finir à la 6ème place, non seulement on obtiendrait les objectifs de l'écurie, mais pas que. On serait devant notre coéquipier, devant notre rival, on serait peut-être promu pilote numéro 1 à l'issue de ce Grand Prix. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va pas falloir se louper parce que derrière il y a du monde. En tout cas, il y a déjà au moins 2 voitures, comme on peut voir sur la minimap. Et on a Grosjean sur la minimap, on le voit aussi, hein, qui est dans le secteur 1 quand nous on vient de rentrer dans le secteur 2. Là on arrive, on revient sur Vettel, on est pas mal ici par rapport au pilote allemand. On pourrait presque porter une attaque, mais ça glisse tellement que ça serait prendre des risques pour pas grand chose. Allez, on va arriver à la fin du 35ème tour, on va rentrer dans le dernier tour maintenant. Là, ce dernier secteur, hein, qui nous est un petit peu moins favorable, puisque Vettel devant est plus rapide que nous. Alors tous les pilotes, hein, qui ont décidé de ne pas rentrer au stand au moment où la pluie a redoublé d'intensité pour passer les pneus flouettes. Et visiblement, bon, c'est la stratégie qu'on a fait exactement aussi pour nous. J'avais espéré que les pilotes rentrent, mettent les full wet et puis que nous on puisse rester en piste avec les inters. Et visiblement personne n'est re-rentré. Sinon effectivement on aurait pu gagner encore quelques places, mais ça l'a pas fait. Alors on s'est un petit peu mis à l'abri de Bottas derrière. Et ça glisse, ça glisse. Toujours dans cette partie là, on est un peu plus rapide que Vettel, on arrive à revenir sur le pilote Ferrari. Et on va pas non plus tenter le diable, alors que Kimi Räikkönen s'empare de la victoire ici, ça va faire du bien à l'écurie, la Scuderia Toro Rosso Ferrari. Puisque là ils auront marqué des gros points en mettant la voiture en 1 et 5 à l'issue de cette course, si toutefois je ne passais pas le pilote allemand. Alors attention ici, dans les derniers hectomètres de course, de ne pas aller se mettre au tas. Donc on n'aura pas réussi à récupérer cette 5ème place sur Sébastien Vettel. Mais néanmoins, on va finir à une bonne 6ème place et ça, c'est une bonne chose. On voulait faire un bon résultat ici sur ce Grand Prix d'Autriche et on l'a fait. Donc ça, c'est cool. Et donc résultat à l'issue de cette course, alors qu'on voit Mauricio Arriva Bene qui salue son équipe, hein, ça fait plaisir de voir autre chose que de la Ferrari. Et Kimi Räikkönen qui est victorieux sur ce Grand Prix d'Autriche. Devant donc une Mercedes et une Red Bull. Ricciardo qui finit 9ème alors qu'il était en tête au début de la course. Il a vraiment dû avoir un souci avec sa monoplace à un moment. Et donc un podium qui se dessine sous vos yeux avec Räikkönen victorieux devant Rosberg et Verstappen. Räikkönen souriant, on n'a pas l'habitude de voir ça. Tellement pas l'habitude que ça fait vraiment bizarre. Allez, on va aller jeter un œil au tableau des résultats. Donc Räikkönen devant Rosberg à l'arrivée, Verstappen qui finit 3ème, Pérez, hein, qui partait à la 13ème place sur la grille de départ et qui finit 4ème, Sébastien Vettel 5ème, je finis
À la 6ème place, Valtteri Bottas qui finit 7ème, pas bougé. Hein. Arianto hein, qui partait 18ème qui finit 8ème, Ricciardo qui a dégringolé à la 9ème place, Jenson Button qui a gagné une place à l'arrivée, Wehrlein aussi qui a fait une grosse remontée hein, de la 17ème à la 11ème place, et Hülkenberg 9ème qui a dégringolé à la 12ème place. Pardon. On a Palmer 13ème, 14ème Kiat, Lewis Hamilton 15ème hein, qui finit très très loin dans l'histoire, Grosjean 16ème, Magnussen 17, Nasser 18, 19, Ericsson, Alonso 20e qui fait partie des abandons avec Massa et Sainz. Donc, et ben, une grosse surprise à l'arrivée, en tout cas des gros points perdus pour Hamilton, et ça c'est plutôt cool pour nous. Ce qui fait que du coup, avec ces événements, Lewis Hamilton est toujours en tête du champion du monde des pilotes, mais plus qu'à 10 points d'avance sur Sébastien Vettel. Nico Rosberg est derrière à 25 points de retard à la 3ème place, Raikkonen qui remonte à la 4ème place qui a pris une place à Max Verstappen, ensuite 6ème Bottas, Ricciardo 7ème, Massa 8ème, on est 9ème, on revient petit à petit hein, dans la course, donc il va falloir marquer des points sur le prochain Grand Prix encore. Derrière on retrouve Nasser, Sainz, Ericsson, Perez, Kiat, Magnussen, Wehrlein, Arianto, Button, Hülkenberg, Alonso, Grosjean, Palmer, Grosjean avant-dernier. Hein. Et l'écurie As qui est 7ème pour l'instant, avec toujours devant les Mercedes. Ferrari qui revient du coup en marquant de gros points ici. Red Bull 3ème, 4ème Williams. Sauber 5ème, ça c'est la grosse blague. 6ème Toro Rosso. Et donc 7ème notre écurie As. Donc au final, ça a été que du bon parce qu'on aura ramené pas mal de points. Voilà, à l'issue de ce week-end autrichien, on aura réussi à monter le score des points de recherche à 1888 points, ce qui va nous permettre, dès le prochain Grand Prix, à l'issue des essais, de lancer la prochaine R&D qu'on avait prévue. Bonjour, je vous cherchais justement. Je sors d'une réunion avec le grand patron. Félicitations, vous avez fait du beau travail. Tenez. Et voilà, on nous annonce qu'on est titré pilote numéro 1 de l'écurie As. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà, en tout cas, c'est un bilan positif pour ce Grand Prix autrichien. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.